Michel Lallemand, champion de France de boxe thaïlandaise 2004-2008, champion intercontinental de kickboxing 2005, champion d'Europe de boxe 2008. Sissoko Sadio, 25 ans, champion de France 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, vice-champion de France 2006-2007, vainqueur du TK2 2006 et participation au K1 World Max 2008. Vassili Sahamaili, champion du monde amateur de boxe thaï et champion d'Europe de boxe thaï. Bon bah, bonjour Moussa. Bonjour. Merci de nous accueillir pendant ton entraînement. C'est un plaisir. Tu es un athlète de grand niveau, hein. tu as gagné pas mal de titres en actif. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de ton palmarès? Je m'appelle l'entraîneur de l'FK Boxing Club, champion de France de boxe thaï, champion d'Europe de boxe thaï, 3 fois champion du monde de boxe thaï. Donc en parlant avec toi, tout à l'heure j'ai vu que justement tu avais plusieurs fonctions par rapport à la boxe thaï. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi toutes ces fonctions en même temps? Qu'est-ce que tu fais exactement? Bon, les fonctions, bon, déjà à la base, bon, comme je vous le dis, je suis jeune encore. Et à la base en France, ces fonctions qu'il y a, personne ne l'a fait actuellement en France. Bon, j'ai fait comment je peux dire ça, un style aux États-Unis, comme Flomo Hauser, qui est dedans, qui peut organiser, qui boxe, et qui entraîne. Et je vais faire ce style-là en France. De ta marque de vêtements, hein. Qui est Konateam. Vous avez fait cette marque-là, donc est-ce que vous avez des équipements particuliers adaptés au sport ou... Bon, cette marque de Konateam, bon, ça vient Konateam, c'est quoi, c'est la base, c'est mon nom de famille, quoi, c'est Konaté, groupe de Konaté. Et cette marque que vous voyez, en plus du coquillage, c'est un symbole qu'actuellement, en France, le seul qui porte, c'est le coquillage. C'est des coquillages que j'ai parce que quand je boxe, comme vous allez voir, j'ai des coquillages ici, j'ai des coquillages ici, des pragites en coquillage. J'ai mon Hong Kong personnalisé en coquillage. J'ai des coquillages au swing, c'est pour représenter ma marque. Quoi. Et comme tout le monde m'en parle, ouais, c'est quoi ces coquillages? Je dis que c'est pour un jour viendra, c'est pour sortir ma marque. Et cette marque-là, il viendra de ce coquillage. D'accord. Donc on t'a parlé du site Sport & Live. Donc, le principe, c'est justement un lieu de rencontre et d'information. Qu'est-ce que tu penses de ce site-là? Franchement, bon, c'est un site bon, qui est bien. Bon, à l'époque, quand je boxais depuis en 1998, ce système-là, je pense que la boxe, il sera plus dévoilée. Comment je peux dire ça, dévoiler quoi. Mettre en avant la boxe thaï, et certains en plus de ça, mettre en valeur les boxeurs aussi. Donc comment je dirais, la boxe thaï c'est un sport très 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 dur, ça demande du corps à corps, distance, mi-distance, et on sacrifie beaucoup 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 des heures d'entraînement. Celle-là, si ce site-là, il avance bien,
Je pense que cela, ça veut donner de la force déjà à la base aux boxeurs avec la souffrance qu'ils s'entraînent. Et en plus de ça, ça permet de reconnaître le boxeur et de dévoiler c'est quoi la boxe thaï en France. Ah bah exactement, donc c'est vraiment le but de Sport & Live, et c'est de faire découvrir les sports, et j'espère qu'on arrivera justement à faire ça avec des grands sportifs titrés comme Moussa Konaté. Voilà. Donc, est-ce que la boxe a évolué entre ta génération et aux jeunes, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui? Bon, la boxe elle a évolué, bon, je dirais un peu, c'est-à-dire un peu, quand je dirais un peu, parce qu'avant la boxe, on disait c'est un sport de racaille, c'est un sport de cité. Maintenant les gens voient que déjà d'une part c'est un art comme toutes les disciplines de boxe. Et en même temps, bon, ça a valorisé maintenant que je vois que ça a pris un peu plus d'ampleur, que tout le monde en fait, que je vois au début avec en gros que les blacks et les arabes qui en fait. Maintenant dans la salle on voit de tout mélangé, toute race. Ça prouve que ça avance. Et je pense qu'avec ce système là que vous êtes en train de mettre en place, ça va prendre plus d'ampleur, je pense. Justement prêt à en parler à tes élèves pour leur dire de s'inscrire, créer un profil et... Moi franchement bon, j'ai pas mal de boxeurs ici. Quand je dis boxeurs éducatifs, c'est des enfants de 7 à 17 ans qui sont fans dans les informatiques. Et je pense que s'ils connaissent ce site là, je pense qu'ils vont bombarder pas dessus quoi. Et le but c'est ça quoi, de montrer ce qu'on fait. Leur montrer aussi l'image de eux aussi, c'est bien, parce qu'un enfant qui fait la boxe, il aime bien se montrer que regarde, je vais me lancer sur le site, on voit mon palmarès, mon image, ce que je fais, ce que j'aime, c'est un plus. On regarde tes élèves, est-ce que eux, ils pensent déjà à leur reconversion, à qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, ou ils sont dans la boxe, ils s'y mettent dedans, et quelque part ça va peut-être les trahir beaucoup plus tard? Non, bon, comme j'ai toujours dit à mes élèves, la boxe c'est un sport, okay, mais avant tout, profitez de vos études. C'est des études qui vont vous nourrir, c'est des études qui vont vous donner du travail. La boxe c'est bien, c'est un sport, on se dépense et tout, il y a des cachets, il y a des primes, mais c'est pas, faut pas se compter sur ça. Voilà. Faut pas, quand tu as cette prime là, tu peux te faire plaisir, mais à l'étude avant la boxe. Voilà. Ouais. Bah, Moussa, merci de nous avoir reçus, et je te dis à bientôt. Moi, c'est un plaisir aussi. Au revoir. À la prochaine. Merci.